Le nid d'abeilles solitaires. Ça y est, il y a 3 jours, elles viennent de se réveiller du nid. Nous sommes aujourd'hui le 23 du 3 2012. Une merveille pour aider la vie. Le nid abeilles solitaires, très facile à faire. Des poutres avec une profondeur de 10 cm à 15 cm. Un diamètre de 5 à 7 mm. Et d'année en année, elles viennent de plus en plus. Ici, vous avez un nid à abeilles solitaires où il y en a plus de 600 dedans. Une merveille pour aider la vie. Vous savez, nos amis, les abeilles, pour le moment, elles sont en train de s'accoupler par dizaines. Un petit peu partout. C'est d'abord les mâles qui sortent. C'est d'abord les mâles. Après les femelles. Les mâles s'accouplent avec les femelles. Après les mâles meurent. Et après, les femelles continuent à vivre pendant longtemps, mais elles vont aller mettre des larves au fond des trous. D'abord, elle va mettre des larves avec des femelles, après des mâles, après elle penche de la terre et elle abouche. Vous savez, les abeilles solitaires, c'est vraiment une abeille très gentille. N'ayez pas peur, regardez, je vais mettre ma main. Jamais une abeille viendra m'attaquer. Il faut vraiment qu'elle se mette dans la manche de mon pull pour qu'elle vienne me piquer. Voilà, un petit conseil aussi, si vous installez ce genre de nid à l'extérieur de votre propriété, installez bien un grillage de poules. Vous savez qu'on emploie pour les poulaillers, pour que le pic c'est un oiseau qui pourrait faire des dégâts très importants au nid d'abeilles solitaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée à vous. Merci Ali.